Thank <music> you. Monsieur Vernand, comment se fait-il que le monde grec exerce encore son influence sur nous par ses mathématiques, sa philosophie, sa tragédie même Pour beaucoup de raisons, me semble-t-il, il me semble que, euh, si vous voulez, la Grèce, le monde grec, la culture grecque, la, la civilisation grecque, c'est beaucoup éloigné de nous. Moi, j'ai vécu ça en ce sens que quand j'étais jeune, non seulement tous les bons élèves faisaient du grec, et des scientifiques euh, comme le, le littéraire, le grec faisait partie de la culture commune, et il me semble même, quand j'étais enfant, que dans la bourgeoisie, un médecin, un avocat, un homme politique devait, en quelque sorte, se couler spontanément dans des modèles culturels classiques pour apparaître compétent dans son domaine. Ça, c'est fini. C'est fini euh, pour les jeunes. La Grèce, c'est très loin. En même temps. Que la Grèce s'est éloignée, le monde contemporain s'est rapproché. Avec la télévision, euh, euh, chaque enfant tout petit voit l'Afrique, voit le, la Chine, voit l'Amérique comme si c'était chez lui. Alors, cette espèce de, de passion pour les tragédies grecques, qui en je ne sais pas comment c'est en Italie, en France, c'est évident. Dans les cinq dernières années, euh, bah, le nombre de tragédies grecques qui ont été reprises est considérable. Il y a à la fois un effet de dépaysement, parce que c'est loin, et il y a un autre effet, je crois, qui vient de ce que... Il y a une recherche de racines et de l'identité des gens. La tragédie grecque leur donne à la fois le sentiment de l'étrangeté, de l'altérité, et une espèce de conscience qu'ils ont des racines dans ce passé assez lointain. Je crois qu'il y a ça, mais pas seulement ça. Il y a le fait que il y a des périodes où ce qu'exprime la tragédie grecque à savoir l'homme énigmatique l'homme qui est pris dans un flux qui le dépasse l'homme qui calcule qui décide qui juge qui hésite entre deux voies qui est placé au carrefour de l'action qui choisit consciemment et puis qui s'aperçoit que en réalité il a choisi le contraire de ce qu'il croyait être le bien ça, c'est plus fort aujourd'hui parce qu'un certain nombre de choses qui nous semblaient certaines, en particulier l'idée, l'optimisme historique, l'idée qu'il y a un avenir que l'homme peut dominer, l'idée que l'homme est maître de son histoire, l'idée que l'homme est maître et possesseur de la nature, comme disait Descartes, qui est une idée qui, qui s'est imposée à tout, toute la modernité et qui est en crise. En crise. Pourquoi Parce que, à la fois, la science, les techniques, qui nous paraissaient la façon la plus, la plus assurée pour l'homme d'assurer sa maîtrise sur le monde et sur soi-même, ben, elle est mise en question. On se demande si, euh, finalement, euh, ce, ce courant scientifique et tout ce développement technique ne va pas aboutir à des catastrophes. L'idée que l'homme pouvait de sa propre volonté, avec les, avec les siens, avec d'autres, en groupe, faire l'avenir, le construire, inventer une, une société qui soit une société vraiment harmonieuse et libre, ou comme disait Marx, sauter du règne de la nécessité dans le règne de la liberté, eh bien c'est une idée aussi qui, 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 qui est en train de se casser le nez, parce que on s'est aperçu que l'effort pour programmer le futur, l'effort pour, en quelque sorte, inscrire à l'avance dans l'histoire les fins ultimes de l'homme, c'est quelque chose qui est incroyablement hasardeux et que là encore, comme les héros tragiques, l'homme peut faire, en voulant construire un monde qui soit un monde idéal, le contraire de ce qu'il s'imaginait faire. Il y a donc, je crois, une sorte de retour de la conscience tragique. La tragédie à mes yeux, c'est un, un phénomène considérable que les Grecs ont inventé. C'est-à-dire que sur une scène ouverte, publique, on donne à voir une intrigue, un drame, un drame, une action qui se déroule là, sous votre nez, avec des personnages qui, contrairement à ce qu'il y avait avant la tragédie, avant la tragédie, il y a des poètes. Les poètes, ils s'expriment en style indirect. C'est-à-dire le poète raconte des choses comme euh, si vous avez assisté à un accident d'auto, vous racontez l'accident d'auto à des tiers. Tandis que le théâtre, il montre l'accident d'auto sur scène. Ce sont les personnages que les poètes euh, racontaient, qui étaient des personnages du temps jadis, ils ont fait ceci, à ce moment-là, Agamemnon dit cela, non, non, là, Agamemnon est sous votre nez, en chair et en os, et il parle. C'est-à-dire que ça implique la conscience de la fiction, la conscience de, que les gens, vous les voyez comme s'ils étaient réels, vivants, ce sont eux qui agissent devant vous, et en même temps, vous savez qu'ils n'y sont pas et qu'ils n'existent pas. J'ai écrit à peu près que la conscience de la fiction est à la fois une condition et un effet de la tragédie. Il y a ça dans d'autres cultures, mais bon, qu'elles soit des théâtres où ce sont des figurines qu'on manipule ou du théâtre euh, comme au Japon, mais je crois que vraiment le théâtre grec représente quelque chose de tout à fait particulier. Tout à fait particulier, en tant que c'est un spectacle qui fait revivre les choses sous votre nez, dans un espace qui, 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 qui est devenu un espace public, j'ai dit aussi que, d'une certaine façon, c'est la cité qui se joue elle-même. Pourquoi Parce que sur la scène du théâtre, il y a à la fois de la distance par rapport à ces personnages qui sont les rois de l'ancien temps. Agamemnon, Achille. Euh, Hector, Édipe, euh, le, tous les Grecs pensent que ça appartient au monde des héros du temps passé. Ça n'est plus actuel. Et ces héros incarnent des façons de penser, de sentir qui ne sont plus celles de la cité du Ve siècle. Donc, sur la scène du théâtre, le passé mythique est placé là sous le regard de tous, et il est vu avec l'œil du citoyen. Et à travers ce passé mythique, ce sont à la fois des problèmes du 5e siècle qui sont posés, qu'est-ce que c'est que l'homme, qu'est-ce que c'est qu'agir, qu'est-ce que c'est que la responsabilité, qu'est-ce que c'est que le crime, qui sont posés, mais qui sont posés sous la forme problématique. Il n'y a pas de solution, il y a, il y a une interrogation sur l'homme. C'est l'homme qui devient une interrogation. Et en même temps, comment est-ce que procède la tragédie la tragédie, j'ai dit qu'il y avait une conscience de la fiction. Mais le poète tragique n'invente pas ses personnages. Ses personnages, tout le monde les connaît et tout le monde connaît leur histoire. Il n'invente ni les personnages, ni non plus l'intrigue, parce qu'il suit en gros le poète tragique l'intrigue traditionnelle. Mais ce qu'il fait, c'est tout à fait autre chose. Il dispose une série d'actions de telle sorte que lorsque vous voyez le début et toute la suite, comme le dit Aristote, vous comprenez que selon toute probabilité ou selon toute nécessité, il va se produire une série d'événements dramatiques. Les héros sont des hommes auxquels il va arriver des catastrophes. C'est la catastrophe, le renversement complet des situations. Et ces catastrophes ne sont pas dues à leur méchanceté. Ils ne sont ni des méchants, ni des indignes, ni des cacoyes. Ce ne sont, sont pas des caractères bas. Au contraire, il y, y a chez eux de la grandeur. Mais ce que va faire le, 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 le poète tragique, c'est un montage de l'action, de telle sorte que tout d'un coup, les choses vont se dérouler avec une sorte de nécessité interne inéluctable. Et c'est ça que le spectateur va voir. On dit que, Aristote dira que c'est une mimesis, une imitation d'une action. Mais le terme mimesis doit être pris dans un sens assez particulier. Il s'agit d'une, moi je dirais, d'une simulation. Je pense profondément que la tragédie est une simulation au sens où nous parlons de simulation en physique, par exemple, où on définit un espace limité et dans cet espace, on va essayer de produire des conditions extrêmement claires et nettes qui vont vous permettre de comprendre comment un phénomène se passe, où on va simuler, par exemple, le débarquement sur la Lune avant de tenter le débarquement dans un espace limité et contrôlé, dont on connaît toutes les dimensions, on va essayer de voir quelles sont les différentes possibilités qui peuvent se présenter à partir des données premières. La tragédie fait pareil. La tragédie monte une expérience humaine à partir de personnages connus, mais en les mettant en place et en les faisant se développer de telle sorte que, pour reprendre encore Aristote, ce qui se produit, cette catastrophe qui affecte un homme qui n'est ni méprisable ni mauvais, cette catastrophe, elle apparaît comme tout à fait probable ou absolument nécessaire. C'est-à-dire que le spectateur qui voit ça, et qui éprouve pitié et terreur, a le sentiment que ce qui est arrivé à cet homme aurait aussi bien pu lui arriver à lui même, c'est-à-dire que derrière la particularité des personnages, ce sont les hommes, lui et les autres, tout homme qui est mis en question, qui en quelque sorte est mis en scène dans cet espace privilégié et contrôlable, et que le déroulement de la catastrophe, inéluctable, revêt en même temps pour lui un caractère nouveau qui est qu'elle devient intelligible. Intelligible que le bruit et la fureur du monde que le poète tragique projette dans l'espace de la scène, à travers cette mise en scène et cette simulation, elle prend un sens tout d'un coup. On comprend ce qui s'est passé, et non seulement on le comprend, mais la tragédie réalise ce que les hommes ne peuvent pas réaliser avec tout ce désordre ces passions ces contradictions ces énigmes construire une pièce qui de début à la fin forme un tout et un tout harmonieux c'est-à-dire qu'avec la monstruosité qui est montrée on fait un spectacle qui est beau qui a une forme les hommes ne peuvent pas contrôler l'avenir, ils ne peuvent pas se contrôler eux-mêmes, ils ne savent pas qui ils sont. Mais ils peuvent, sur l'espace, dans la fiction tragique, construire quelque chose qu'on appelle l'art, et qui tout d'un coup fait que ce qui n'avait pas de sens en prend, et ce qui était terrifiant devient une expérience de beauté. Je crois que c'est ça la tragédie. Dans son anthropologie structurale, Claude Lévi-Strauss nous donne une lecture structurale du mythe d'Édipe, en remontant pour en faire ressortir l'essence au-delà des pièces de Sophocle, au stade le plus reculé du cycle thébain. Ce que essaye de faire Lévi-Strauss dans son c'est un, un, un problème sur lequel il est revenu plusieurs fois, hein, cette histoire et il y a des choses qu'il a très bien vues. Il a vu que au fond Derrière le problème édipien, si on remonte assez haut, euh, dans la série des, des Labdacides, euh, depuis Labdaptos à Laios à Édipe, on voit que ce que le mythe exprime à sa façon, ce sont des, des problèmes de défaut de communication dans tous les sens. et Moi je suis d'accord avec lui, et je pense que si on prend le mythe, la légende elle-même, on voit bien qu'il s'agit d'un problème de communication et en particulier la façon dont la pseudo-boîterie d'Édipe, la boîterie de l'Abdakos, puisque son nom veut dire le boiteux, les formes peut-être de boîterie sexuelle de l'Aios, puisque l'Aios est un personnage qui, dans la légende, avait commis. Une faute du point de vue amoureux, parce qu'il était amoureux d'un jeune homme, qui était d'ailleurs le fils de l'autre qu'il avait accueilli, et qu'il a essayé d'abuser par la violence de ce jeune homme. Donc, si je peux dire, boîterie sexuelle. Boîterie sexuelle qui va en quelque sorte rebondir, puisque quand il épouse euh, sa, 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 sa femme, euh, dans certaines versions, il nous est dit qu'il ne doit pas avoir avec elle. De relations sexuelles de nature à avoir un enfant. La, 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 la... Il y a trois générations que nous connaissons Dabdakos, Laios, Édipe, et, et en principe, ça devait s'arrêter à Laios Laios ne devait pas avoir d'enfant. Le problème qui est posé à mes yeux dans la légende, c'est celui de la communication correcte des générations. Et c'est ça une des fautes. Mais. Donner un sens à ce mythe, c'est essayer, par derrière les séquences du récit, les correspondances entre différents éléments, de voir comment il y a des, des convergences de signification. Ce que fait la tragédie, c'est autre chose. Elle donne un sens, c'est-à-dire le sens qu'elle donne à cette affaire d'Édipe, c'est que justement, l'homme peut être victime d'une souillure. Si vous voulez, qu'est-ce qui arrive à Édipe Bon, Édipe, euh, il est un fils qui n'aurait pas dû naître. C'est ça son malheur. Il est donc, dès le départ, l'objet d'une espèce de malédiction. Il est voué au malheur. Il n'aurait pas dû naître. Et en ce sens, quoi qu'il fasse, il est fautif. Il est coupable sans avoir rien fait de mal et c'est un des problèmes que pose la tragédie est-ce qu'il n'y a pas dans tout homme par le fait même qu'il existe et par conséquent il dépend de tous ceux qui l'ont précédé quelque chose qui qui le dépasse dont il dépend et qui fait que euh, ses actions n'émanent pas directement de lui en quelque sorte ses actions vont s'enraciner au-delà en arrière de lui-même ou plus haut que lui-même ça c'est un sens tragique le sens que nous faisons des choses, nous sommes des personnages et en même temps nos actes et nous-mêmes échappons à nous-mêmes. Énigmatique puisque Édipe est le déchiffreur d'énigmes. Édipe, quand il revient à Thèbes, trouve dans Thèbes, Thèbes est elle-même victime d'une souillure, d'une malédiction, la mort du roi. Qui est mort, le sang a été versé, c'est pas c'est pas une faute, Thèbes n'est pas coupable, elle n'est pas coupable, mais elle, elle est malheureuse, elle est vouée aussi à la malédiction et au malheur. Et alors il y a la sphinge, la sphinge, ce démon, ce daimon, cette divinité femelle qui pose des énigmes. Quelle est l'énigme de la sphinx Quelle, quelle énigme pose-t-elle Alors tous les ans, la jeunesse, la fleur de la jeunesse tébène, Va affronter la sphinge qui leur pose l'énigme, comme ils ne peuvent pas répondre, elle les dévore ou elle les déchiquette. Quelle est l'énigme Quelle est la question que pose la sphinge? Quel est l'être qui est à la fois à un, non, à deux, à trois et à quatre pieds, qui a une seule voix, faune, une seule nature, et qui change sans cesse. Le sens devrait être 4, 3, 2, parce qu'on est d'abord à 4, ensuite à 2, et ensuite à 3. Mais euh, dans, dans, le, dans, le, dans, dans les textes que nous avons, ce n'est pas cet ordre. L'ordre, c'est oui, oui, 2, 3, 4. Ou ça, euh, on ne suit pas l'ordre chronologique. Qu'est-ce que ça veut dire, ce, cette énigme? La réponse d'Édipe, c'est réponse, c'est moi, c'est l'homme. Et en effet, il est 10 pouces. Ça veut dire que l'homme est le seul être de la nature dont, dont l'essence se modifie au cours de sa vie, et qui passe par trois états successifs. Il est d'abord enfant à quatre pieds, puis homme fait adulte à deux pieds, puis vieillard qui s'appuie sur un bâton, comme était son laios quand Édipe le rencontre, puisque il a, il, il a, il a encore ce nom, c'est un fouet qu'il a, peu importe. Ça veut dire que l'homme passe par des stades, et quand il est enfant, il n'est pas la même chose que quand il est adulte. C'est pour ça qu'il faut une, un rituel d'initiation, ou en tout cas, il y a un âge, l'éphébie, où l'enfant, tout d'un coup, change et devient autre chose que ce qu'il était, il devient homme. Et puis il est homme, et quand la vieillesse commence à l'accabler, il devient vieillard. Alors. Il y a un certain nombre de choses qu'il ne peut plus faire. Alors le problème qui est posé par Édipe, c'est qu'Édipe, lui, oui c'est bien lui dont elle parle, il est véritablement un monstre, puisque étant à deux pieds, il est en même temps semblable, comme il le dit lui-même à plusieurs reprises, il est semblable à ses enfants à quatre pieds et à son père à trois pieds. Puisqu'il est en même temps le fils de son père, mais il est en même temps comme son père le mari de sa mère, donc l'égal de son père, il est en même temps le père de ses enfants, mais il est également le égal à ses enfants. C'est ce que dit le texte. Il est semblable, ils sont tous sortis, ils se sont tous en quelque sorte, les trois générations, se sont croisées dans le giron de l'épouse. De Jocaste. Autrement dit, ce que représente Édipe, c'est un être de chaos. À travers lui, ce que nous voyons, c'est que le danger, c'est que l'ordre qui fait que les fils doivent succéder à leur père et prendre la place du père, ne doivent le faire que dans certaines conditions de temps et de lieu. Ils doivent le faire sans heurter le père de front, comme fait Édipe quand il revient, lui, de Delphes, pendant que son père y va, il se croise sur une route à trois embranchements, de sorte que le fils et le père se trouvent face à face et que l'un doit céder la place à l'autre. Ils refusent tous les deux et c'est là que Édipe fait tomber son père qui arrive au même niveau que lui. Autrement dit, le, 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 ce que pose le, le drame, c'est comment cet être qui découvre l'énigme, Édipe, celui qui sait, il y a le mot Oïda, je sais dans Édipe, il y a deux pieds, et il y a Oïda, je sais, comme il le dit lui-même, c'est lui qui a deviné, il est l'homme qui sait, on s'adresse à lui comme au savant, et il est d'autre part un homme qui veut savoir, il veut savoir la vérité. Et ça, ce désir de connaître, et cette capacité qui fait qu'il est supérieur aux autres, vont faire de lui une sorte de monstre qui brouille toutes les générations et qui fait de l'homme un être qui, au lieu de suivre le cours du temps, chacun restant à sa place, le fils succédant au père, surtout quand il s'agit de roi, au moment où le père laisse la place vide, vient bousculer le roi et prendre sa place quand le roi est encore là. C'est ça que signifie le meurtre du père. C'est ça la grande faute. Et la grande faute d'Édipe, c'est l'inceste, puisqu'il a rencontré la semence de son père dans le ventre de sa mère. Il est donc une sorte de monstre, et il est un monstre sans avoir rien commis de mal. Ce sont ses propres, ce sont ses qualités qui l'ont amené là. Réponse, interrogation sur l'homme. Mais oui, en effet, quelle étrange créature Comment est-il possible qu'elle soit habitée par ce désir légitime de savoir, et que ce désir de savoir... Recouvre une ignorance fondamentale. Il ne savait pas qui il est. Celui qui était le roi et le maître devient le, la dernière des ordures, une, une, une impureté, une souillure qu'il faut chasser. Ça, c'est la façon dont la tragédie rend tragique des thèmes qui étaient déjà dans le mythe, rend tragique en en faisant une interrogation sur l'homme et une interrogation sur. Ce que c'est qu'agir pour l'homme, ce que c'est que savoir pour l'homme. Le mythe ne se pose pas la question est-ce qu'Edippe savait Est-ce qu'Edippe est responsable Est-ce qu'Edippe est fautif Pas du tout. Le mythe, il raconte l'histoire. Et quand on suit cette histoire, nous pouvons y mettre en lumière un certain nombre de correspondances sur le fait que les générations se suivent et que la communication des générations n'est pas facile. Mais la tragédie, ce n'est pas ça qu'elle fait. La tragédie, elle met plein feu sur Édipe comme personnage tragique, en montrant que science est ignorance, que ignorance est culpabilité, et que l'homme est véritablement pour lui-même une énigme. Que je crois qu'un des problèmes que la tragédie pose, c'est celui du rapport de l'agent humain avec ses actes que la tragédie représente un, un moment de passage. Si, on, si je prends les héros homériques, euh, quand ils agissent, c'est d'une certaine façon les dieux qui agissent en eux. Ce sont les dieux qui insufflent en eux l'ardeur guerrière, ou ce sont les dieux euh, qui euh, leur, leur euh, soufflent telle idée, tel projet, ou même telle erreur. Ce sont aussi bien les dieux qui les égarent par exemple quand agamemnon va dire j'ai fait une bêtise en, en, en privant achille de l'esclave qui lui avait de Briséis, qui lui avait été accordé comme guérasse comme pardonneur il dit c'est l'athée athée, athée c'est une espèce de folie mais qui est une folie qui n'est pas la sienne qui est une sorte de, de personnification de la folie c'est une puissance religieuse de démence qui est entré en lui. Donc, les hommes sont agis par des puissances qui les traversent et qui les mènent à leur perte ou au salut, à la victoire. La tragédie, on l'a dit, je crois que c'est vrai, est un genre littéraire qui pose, lui, au contraire, le problème de l'action, parce que la tragédie présente les héros au carrefour de l'action. C'est-à-dire qu'une des questions on voit ressurgir dans les textes tragiques, c'est que faire Que dois-je faire Que choisir Si je choisis ceci, voici qu'est-ce qui risque de m'arriver. Si je choisis cela, voilà qu'est-ce qui me reste, risque de m'arriver. On présente l'homme, en quelque sorte, face à une décision qui est une décision difficile. On a donc le sentiment que ce qui commence à apparaître c'est l'idée d'un pouvoir plus ou moins autonome chez l'homme d'agir et de se décider en fonction du meilleur, de ce qu'il croit être le meilleur. C'est boulomai, c'est le verbe. Vouloir, c'est délibérer et en même temps décider. Donc, non plus un influx ou une impulsion divine, mais une réflexion et une décision. Il y a cela. Alors on dira, bon, mais alors, c'est ce que nous appelons... Le vouloir, la volonté. Oui, mais justement, la tragédie montre que cette volonté, elle n'est jamais réellement autonome. En même temps, ce que fait la tragédie, c'est qu'elle montre comment, dans toutes les décisions humaines, il y a une délibération du sujet qui, se, qui pèse le pour et le contre, mais il y a en même temps la présence par derrière de tous les... De toutes les décisions, de tous les projets divins. Il y a par derrière tous les, les acteurs, il y a les, les dieux qui sont là et qui organisent, qui tirent les ficelles d'une certaine façon. De sorte que toute action humaine se profile en même temps comme un acte qui émane du sujet, qui le traduit son caractère, son ethos, sa façon d'être intérieure, et qui en même temps représente la façon dont les dieux l'ont mené sans qu'ils le sachent. Et il y a une formule d'Héraclite qui dit que « ethos », le caractère, pour l'homme, c'est « daimon », un démon. Ce qui s'entend aussi bien, on pourrait l'entendre de tous les sens, ce que les, les hommes croient être un démon qui vous mène, en réalité c'est le caractère. Mais ça veut dire aussi, et là il a le, le sens tragique, ce que les hommes appellent le caractère, en réalité c'est une force démonique. Et ce qu'on voit chez Édipe, de façon magistrale, c'est un homme qui est le type même de la réflexion, le type même de celui du roi, qui a su deviner, qui a su comprendre, qui est, qui est celui qui cherche à comprendre, qui veut savoir la vérité, et en même temps qu'il poursuit cette vérité, qu'il suit son chemin, en réalité, d'un bout à l'autre, ce sont les dieux qui l'ont mené, et qui l'ont mené pour que cette science se révèle en réalité, cette science de ce qui se passe, cette connaissance de l'assassin de, de l'Aios, euh, se, déclare, se, se révèle être l'ignorance de lui-même, puisque c'est lui l'assassin de l'Aios. Et par conséquent, vraiment, Édipe. Met le, met le centre sur ce qui est le noyau de la réflexion tragique. Que le psychanalyste, lui, a lu la tragédie et qu'il il, il en a tiré quelque chose qui, dans un vocabulaire différent, dans une expérience différente, maintient cette idée que, d'une certaine façon, il y a en nous quelque chose qui n'est pas nous, qui peut nous diriger et expliquer ce que nous faisons. Quand j'ai critiqué, alors j'ai moins critiqué Freud qu'une certaine façon de l'appliquer dans ce, ce travail qui s'appelle Édippe sans complexe. Ce que j'ai reproché à certains psychanalystes, c'est aussi ce que, d'ailleurs je crois que je vidais là une espèce de querelle personnelle, c'est ce que je reprochais à certains marxistes, c'est-à-dire une façon d'avoir des clés universelles qui ouvrent toutes les serrures de croire que une technique une théorie comme chez le psychanalyste conception du monde une expérience de la vie politique comme chez les marxistes leur donne des armes pour tout comprendre en quelque sorte par avance ils ont la solution avant même d'aborder les textes et c'est ça que je crois complètement faux on ne peut pas projeter le complexe d'Édipe au sens freudien sur la tragédie. Il faut trouver dans le texte même de la tragédie, dans certains passages, le recours. On peut montrer en quoi ce que Freud a dit permet de mieux comprendre certains passages qui, sans cela, resteraient peu clairs. Mais on ne peut pas, par avance, lire la tragédie comme si le complexe d'Édipe était, était quelque chose qui existe et, et, et qui par contre... Qu'Édipe n'a pas de complexe, c'est l'évidence. Je veux dire que, de toute façon, une interprétation psychanalytique ne peut pas dire Édipe a un complexe. Une interprétation psychanalytique doit dire... Édipe ne peut pas avoir de complexe, puisque Édipe n'a jamais connu ni son père ni sa mère, qu'il a été élevé par une autre mère et un autre père, que lui appelle père et mère, que quand il voit... Qui tue son père, il ne sait pas que c'est son père, et que quand il le couche avec sa mère, c'est pas parce qu'il en a envie, c'est parce qu'on le lui impose. Quand je lis Les Perses, il n'y a pas de complexe d'Édibes, ce n'est pas le problème. Et c'est la tragédie qui fait de l'effet, ce n'est pas les complexes. Ce qui est vrai, ce qu'on peut dire, c'est que la tragédie est construite d'une certaine façon. À la façon d'une cure psychanalytique d'un complexe d'Édipe, c'est-à-dire que le déroulement de la tragédie elle-même, le déroulement du drame, avec au départ ce qui est ignoré et à l'arrivée ce qui est su, se déroule comme une espèce d'élucidation progressive d'un complexe d'Édipe qui n'est pas celui d'Édipe, qui n'est pas celui du public, qui est, qui, est le, qui est le problème du rapport du père au fils. Et de, et, de, et de toutes les relations compliquées, ce que traduit un peu le, le mythe en, en expliquant que le, le fils doit prendre la place du père, bien entendu, mais que il ne peut prendre la place du père que au bout d'un certain temps, dans certaines conditions, lorsque les choses sont mûres. Alors, on est quand même dans un contexte qui est très différent de celui de la psychologie ou de la névrose. On est dans un contexte Beaucoup plus générale, beaucoup plus social et générale. Toute la texture de la tragédie, comme simulation et esthétisation, transforme l'élément le, brut de la passion en quelque chose qui devient intelligible et qui produit un effet de beauté, donc d'apaisement, donc de le retour, le retour à l'ordre. Mais l'ordre n'est pas le même à l'arrivée qu'au départ, parce qu'entre-temps, on a vu comment. Un homme bien peut être détruit et se détruire lui-même, probablement ou nécessairement, suivant un ordre que, auquel j'ai assisté et qui fait qu'à tout moment j'ai compris ce qui se passait. Alors que terreur et pitié impliquent obligatoirement une espèce d'opacité aux événements et à moi même subissant les événements. Et là, non. Là, j'éprouve terreur et pitié et en même temps elles sont purifiées par le fait que c'est à travers le spectacle et que le spectacle n'est pas le réel. Nous éprouvons en voyant cette tragédie terreur et pitié, mais en même temps, par le fait que la tragédie est une espèce de simulation et une esthétisation du problème, que la tragédie représente le bruit et la fureur du monde en, en montrant comment ça devient compréhensible puisque ça se déroule, Selon un ordre extrêmement savant du probable ou du nécessaire, il y a dans ces sentiments bruts de terreur et de pitié un élément à la fois d'intelligibilité et de beauté qui font que, au lieu de subir ça comme des choses qui vous sont imposées, comme des espèces de, de passions brutes, il y a une façon de dominer et de, de sublimer. Donc il y a toujours la maîtrise de soi, elle est restée un idéal grec. Elle est restée, elle s'est teintée autrement et dans le cas, eh bien, d'une certaine façon, la tragédie qui a traduit au moment où elle est en pleine e expansion ce, cette vision d'un monde y compris divin déchiré par des contradictions qu'il faut essayer d'assumer comme on peut et, et qui quelquefois vous brise si on veut être tout d'un côté ou tout de l'autre. Elle peut être un moyen pour le spectateur, par le biais de la catharsis, de retrouver un certain équilibre psychique. Terreur, pitié, purifiée par le fait qu'on a un message qui est en même temps intelligible et qui comporte une part de vérité, de vérité sur l'homme. Aristote dit textuellement qu'il n'y a plus de vérité. De vérité dans la tragédie que dans l'histoire. Pourquoi Parce que l'histoire, obligatoirement, l'histoire d'Hérodote et de Thucydide, qu'il connaît, l'histoire raconte ce qui a eu lieu, ce qui a eu lieu à tel moment et à tel endroit. C'est comme ça que ça s'est produit. Point final. C'est-à-dire que l'histoire reste, en quelque sorte, par vocation, confinée dans le particulier le singulier, l'accidentel, tandis que la tragédie, elle, elle montre non pas ce qui s'est produit, mais ce qui devait nécessairement ou selon toute probabilité se produire, c'est à dire qu'elle est déjà de l'ordre du général et du nécessaire, donc beaucoup plus proche du vrai intellectuellement. Ça, c'est Aristote qui pense ça, il pense ça contre Platon. Qui lui rejette la tragédie parce qu'elle est pathétique. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va montrer qu'il peut y avoir, même dans un spectacle centré sur euh, terreur et pitié, il peut y avoir en même temps un processus intellectuel qui va se traduire par une purgation de la terreur et de la pitié Intellectuel, vérité. Il y a un enseignement de la tragédie. La Grèce est une culture masculine, fondamentalement masculine. La, la cité. Est, est un groupe humain purement masculin, puisque les femmes n'y ont pas de place. Mais euh, je crois que dans toute société, y compris les plus masculines, les femmes se rattrapent. Ce n'est pas par hasard qu'elles sont religieusement qualifiées pour certains rôles, alors qu'elles sont disqualifiées sur le plan politique. Leur disqualification politique les qualifie pour jouer un rôle, par exemple dans le dionysisme par exemple dans, les, dans le, les deux déesses dans le culte du mystère, ou dans des rituels comme les Thesmophories. Et là, on a quelque chose de pareil dans la tragédie. La tragédie peut présenter certains traits féminins que la cité grecque en elle-même tient, tient elle peut c est, c est, le, le, La fiction permet cela. Elle permet cela. Alors, dans le cas d'Antigone, elle représente la fidélité, je dirais même une fidélité aveugle, à une valeur familiale. Ses frères, ses deux frères, ce sont ses deux frères, c'est tout ce qui reste de la lignée. Et par conséquent, elle ne peut pas choisir entre eux. Et ils, ils sont morts tous les deux. Qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre, elle Elle est en quelque sorte, elle n'est plus rien. Les, cette femme, elle, elle existe. Il est tout à fait frappant que. Elle... Le... 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 Aimon, qui est son, son amoureux, elle n'en parle pas, ça ne compte pas. Elle est quelqu'un qui est en quelque sorte rivé dans la solidarité et l'affection familiale. Mais en même temps, cette espèce de limitation de son horizon, alors qu'au contraire, euh... Le... Le... son, son beau-père, tout... enfin son beau-père, non, c'est son oncle en réalité, Créon, et représente le, le chef de la cité, et d'une certaine façon, il incarne les valeurs civiques, l'intérêt, l'intérêt de la communauté. Alors, elle, elle est rivée là, et sa limitation fait en même temps qu'elle est beaucoup plus sensible à la valeur de, de certaines exigences que justement la cité ne met pas au premier plan, comme celui-là, le devoir à l'égard des défunts. Créons, le fait qu'il a mis au premier plan les valeurs civiques masculines, ben, ça fait qu'il peut arriver à un moment donné à considérer comme rien cette nécessité d'enterrer un proche, et même d'enterrer tout être humain. Alors elle, elle représente la fidélité à cela. Alors le conflit tragique, il est le conflit entre euh, ça, la cité, et puis l'affection la, la familiale. C'est un, un conflit de valeurs. Sur la scène. Je pense qu'il y a une limitation chez elle, mais cette limitation, c'est comme pour les femmes. Cette limitation, en même temps, la qualifie pour être sensible au, à ce qu'elle appelle les lois non écrites. Le cœur, qu'est-ce qu'il déclare Il déclare, il lui déclare, Antigone, tu es tout à fait comme ton père, hein? tu as une espèce d'être obstiné et univoque, là. tu n'est que, un, que dans un sens. D'autre part, il y a quelque chose qu'elle ignore, elle. Et qui est quoi Qui est Eros Qui est l'amour L'amour non pas des siens, des mêmes que soi, l'amour des étrangers, des autres. Pour la femme, l'amour du mal qui sera son mari. C'est un univers auquel elle ne participe pas. Et alors, les éloges qu'il peut y avoir d'Héros de, de, et de l'amour, euh, ça compte. Euh, Ulysse aussi est un personnage qui reste tout à fait actuel, parce que ce sont des personnages dont on ne voit pas le bout, dont on ne voit pas la fin, c'est parce que un texte, n'est vraiment un grand texte que s'il est construit de telle sorte qu'il change au fur et à mesure qu'on le lit. C'est-à-dire que la lecture n'en est pas, n'en est jamais terminée. Aucun texte peut-être ne présente une lecture terminée, mais enfin elle est plus ou moins riche. L'Odyssée on n'a jamais fini de le lire bon, une tragédie grecque c'est pareil une tragédie grecque il y, y a 36 façons de la comprendre, de l'interpréter est-ce que ces façons sont plus vraies les unes que les autres très difficile à dire ce que je pense en tant qu'historien qu c'est que malgré tout toutes les interprétations sont valables sur un certain plan on peut dire n'importe quoi si c'est bien dit si c'est bien pensé, si c'est bien senti. Mais si on veut faire l'histoire de la tragédie, c'est-à-dire essayer de comprendre ce qu'a pu être ce texte tragique pour les spectateurs ou pour son auteur, on est obligé de faire très attention au texte lui-même, à la façon dont il marche, dont il fonctionne, dont il est construit. Ça, c'est le travail de l'historien de la tragédie. C'est un peu ce que j'essaye de faire. Je ne dis pas c'est mon interprétation qui est la vraie. Mais je peux dire, je ne peux pas dire, je peux dire parfois d'une interprétation, elle est fausse. Elle est fausse, c'est-à-dire qu'il y a dans le texte des passages qui infirment cette interprétation, qui font que cette interprétation ne fonctionne pas ou ne permet pas de comprendre comment le texte fonctionne. Mais sinon, l'interprétation est ouverte.